J'essaie de me calmer d'une histoire, du cinéma. Là, je vois une vidéo, ça parle de mon ex. Oh putain. Elle n'arrêtait pas de me demander d'aller recontacter son ex TK pour qu'elle fasse des vidéos avec lui, pour relancer son buzz, pour qu'elle fasse plus d'argent possible. Elle a niqué, elle le sait très bien, elle a niqué la vie de TK. C'est une dinguerie. Hein. C'est trop, frérot, c'est trop. Ça veut pas s'arrêter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? De son vrai prénom, Julie. Cette personne, c'est l'ex de TK, donc en 2020, quand elle avait 16 ans, elle était avec lui. Ça avait grave fait un bad buzz, etc. Et même moi, j'ai jugé The Kerry à ce moment-là. Je me suis dit, ouais, mais c'est vraiment un trou du cul, ce mec. Mais c'est sans compter le fait que j'ai découvert le vrai visage de sa Julie. Et je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Donc, il faut savoir que juste avant notre collaboration, j'ai fait un rendez-vous avec elle à Dubaï. Il y avait même Anaïs qui était là. Et je lui ai posé une question par simple curiosité, parce que je savais qui elle était, que c'était l'ex de TK à l'époque, elle était mineure. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre toi et TK en mode comme ça? Elle m'a dit clairement non. Ok? Et ça, c'est pas le plus important. Enfin, si, c'est quand même, ça a son importance. Mais c'est pas le plus important. Donc, savoir que moi, en tant que manager OnlyFans, j'ai accès à tous ces dashboards. Donc, j'ai pu voir combien d'argent elle générait et depuis combien de temps. Il faut savoir qu'elle a lancé son OnlyFans dès qu'elle a eu 18 ans. Et elle a fait beaucoup d'argent, tout ça pourquoi? Parce qu'elle a eu la visibilité de TK, ok? Je ne vais pas vous dire comment elle faisait au début, mais en tout cas, quand elle est venue me voir, elle faisait 7000 euros par mois. Quelques mois après, je l'ai passé à plus de 20 000 euros par mois, comme vous pouvez voir ici, et elle n'en avait toujours pas assez. Elle n'arrêtait pas de me demander d'aller recontacter son ex TK pour qu'elle fasse des vidéos avec lui, pour relancer son buzz, pour qu'elle fasse plus d'argent possible. Donc, je peux vous dire que cette personne-là, c'est une putain de vipère, c'est un poison. Elle a niqué, elle le sait très bien, elle a niqué la vie de TK. Hein, elle le sait très bien, elle est très consciente, elle savait très 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 bien. Elle était là, elle avait ses sacs, ses trucs, etc. TK, c'est pas pour lui cracher dessus, hein, mais ça se voit que il avait besoin de quelqu'un. Il avait besoin de quelqu'un qui lui donne de l'attention, de l'amour, etc. Elle a tout fake avec lui pour avoir ce qu'elle voulait. Je le sais très bien, j'ai compris quelle personne c'était. Et de par les screens, hein, je voulais vous montrer. Et encore, je vous montre rien du tout parce que c'est pas mon but non plus de la tuer, de la descendre à mort. Mais c'est juste pour vous montrer l'état des choses et que cette personne-là, elle a niqué la vie d'une personne, certes, qui a été un peu trop naïf et qui a eu des pensées un peu bêtes à se dire que oui, c'était meuf de 16 ans et que l'amour n'a pas d'âge. Certes, c'est une faute, c'est sa faute. Ok, donc je peux vous dire que TK, elle est tombée juste sur la mauvaise personne. La preuve en est, elle a pris tout ce qu'elle pouvait prendre à TK. Elle m'a même demandé de le recontacter pour qu'il lui redonne encore un peu de buzz, pour qu'elle refasse encore plus d'argent sur son OnlyFans. Au final, je travaille plus avec elle, encore heureux, j'ai plus envie de travailler avec des personnes comme ça. Et voilà. Tu sais, je sais qu'elle parle de moi, mais je sais qu'elle est aussi au plus profond d'elle, elle est dans le mal. Le mec, il s'appelle Anthony Sirius, lui qui a fait la vidéo. Vous imaginez que tout ça, je l'ai gardé pour moi pendant des années, que j'ai jamais rien dit? J'ai tout gardé pour moi, et encore un. Tout ce qui m'arrive, ou tout ce qu'il a pu m'arriver... Ah, c'est des épreuves de Dieu, frérot. Dieu, s'il t'aime, il te mettra des épreuves dans la vie. C'est à toi de les surmonter, et pour moi, quand tu les surmontes, tu deviens meilleur. Tu deviens plus fort, tu deviens meilleur, tu réfléchis à deux fois. J'encaisse beaucoup, hein. Vous vous rendez pas compte comment j'encaisse, hein. J'encaisse tellement que c'est limite mon visage qui se défigure.